Bonjour et bienvenue sur Mon Jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui je voulais vous parler du cas du bouleau. De bouleau qui est une plante qu'on appelle pionnière. Alors tout simplement pourquoi ? Je vous explique. J'ai dans mon jardin bien entendu des bouleaux un peu partout. Et il a la capacité de se disséminer vraiment partout dans la nature. Et l'origine des bouleaux de mon jardin, ce sont ces bouleaux que vous voyez au loin. Ici, là, au fond de la forêt. Voilà. Le bouleau, donc plante pionnière qui très rapidement va garnir les jardins, les bouts de forêt qui sont laissés libres, mais aussi les friches industrielles. Ça fait partie des premières plantes qui vont se reproduire et qui vont naître dans les friches industrielles avec l'arbre à papillons notamment et bien entendu les graminées. Et pour se disséminer, en fait, il utilise le vent. Alors, vous voyez, aujourd'hui il y a beaucoup de vent. Voilà. Et ces graines, puisque le bouleau se multiplie par graines, ces graines sont dans des chatons, comme ici. Voilà, ça forme des chatons, vous voyez. Et dans ces chatons, voilà, il y a une multitude de graines, vous voyez. Voilà, et le vent va disséminer tout ça. Voilà à quoi ressemblent des graines de bouleau. Et toutes ces graines, avec le vent, donc, se disséminer partout dans la nature, vous voyez. Voilà, le vent les emporte. Alors ces graines, après, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles vont se poser dans la nature, un petit peu partout, sur la terre, mais aussi, vous voyez ici, moi dans mon cas, dans les pots. Et c'est dans la même année, c'est-à-dire que ça va très vite, hein, c'est dans la même année, les graines qui ont été formées cette année, eh bien on les retrouve, et elles nous font, comme ici, des petits pieds de bouleau. Vous voyez, ça pousse dans les pots. Et maintenant on est fin août, et donc les graines qui ont été déposées un peu partout, vous voyez notamment ici, j'ai plein de graines dans ce pot, eh bien, elles ont germé, et voilà, j'ai un petit bouleau qui a poussé de façon naturelle ici, dans ce terreau qui était mis en attente pour faire pousser d'autres graines à l'intérieur. Voilà, et après, bien entendu, voilà comment on garnit un jardin avec des bouleaux. Voilà, il y en a au fond ici, il y en a là, voilà, ici, un beau bouleau. Et on peut même parler de sa capacité de nuisance, entre guillemets, hein, parce que vous voyez, ici j'avais planté un beau hêtre pourpre, et au pied a poussé un jeune bouleau l'année dernière, et donc il lui fait concurrence, mais je les laisse parce que je voudrais voir ce que peut faire cette dualité. C'est juste un essai, mais enfin on verra bien. Voilà la capacité d'un bouleau à se reproduire et à envahir après finalement un territoire. Je vous remercie d'avoir écouté, regardé, et à bientôt sur monjardindansleslandes.eclablog.com. Au revoir.